Mes projecteurs, je viens de poster une vidéo tout à l'heure parlant de la mort de l'influenceur Bob Lay. Bon, comme d'autres m'ont dit que j'ai dit monument, je voulais dire monument du clash et non monument de la culture. Voilà, donc j'ai posté sa vidéo parlant de sa mort. Certains sont venus que je n'ai pas vérifié l'information et tout. C'est des fake news, machin, truc, tout ça. Que Makoso a fait une vidéo pour démontrer qu'il n'est pas décédé et tout. Je vous invite à regarder un extrait de son direct, le direct de Makoso. Écoutez attentivement ce que Makoso dit. Appelez-moi Aïcha Kamouas. Appelez-moi Love Gugu, appelez-moi Yaka Yaka, c'est lui qui a annoncé. Yaka, faut t'asseoir. Faut t'asseoir. On était assis matin. C'est toi qui es venu nous annoncer. C'est toi qui es venu nous dire que Bob Lee est mort. On a commencé à signaler le direct. Son corps est dans la maison. Sa femme est où? Ses amis sont où? Ses parents sont où? Quand nous faisons le calcul, on va ensemble compter. Le 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 14 jours. Le corps de quelqu'un est couché dans l'appartement. Tous les réseaux sociaux annoncent qu'il est mort. D'autres disent qu'il n'est pas mort. On dit qu'il est mort. On dit qu'il n'est pas mort. Ni ami ne va le voir pour vérifier. Ni sa femme ne va voir pour vérifier. Ni ses parents ne vont voir pour vérifier. Son immeuble est rempli d'Africains. Aucun Africain ne va taper au moins sa porte pour dire, mon ami, on annonce que tu es mort. C'est comment? C'est 14 jours après qu'on vient nous dire que Bob Lee est retrouvé mort. Sa femme est où? Ses enfants sont où? Ses amis sont où? Ses collègues sont où? Ses voisins sont où? Le corps, on dit les mouches, commencent à alimenter la maison. Il fait chaud. On sent une odeur. Ensuite, on se permet d'ouvrir la porte par le bien du propriétaire et on découvre Bob Lee couché, je dis bien couché dans la cuisine. Il est mort. Très bien, avant de continuer, je voudrais rappeler à tous ces conseillers, meilleurs conseillers des réseaux sociaux, viens toujours mettre en commentaire, Franco, ce n'est pas ton couloir, pas le ce qui te concerne, je te conseille de laisser ce dossier. Quand quelque chose nous retrouve sur Facebook, on a le devoir, on a même l'obligation de donner notre point de vue. Surtout en ce qui concerne un influenceur comme nous. C'est un collègue influenceur qu'on annonce sa mort. Vous racontez que Franco n'a pas droit à dire quelque chose là-bas par rapport à quoi? Bref, de toutes les façons, les conseillers restent de votre côté. On évolue avec les dits de Makoso. Écoutez attentivement ce que Makoso est en train de dire. Quelqu'un est un être vivant. Il a femme, il a enfant. Il a une femme, il a des enfants. Sa femme parle le français, elle est sur les réseaux sociaux. On dit, oh ton mari est mort, oh ton mari est mort, oh ton mari est mort, oh ton mari est mort. La femme ne va pas taper à la porte, co. Bob Lee, on dit tu es mort où tu es. Non. Ses amis au moins, un homme ne peut pas vivre sans amitié. Il a au moins des amis, il a au moins des collègues, il a au moins des camarades. Tu au moins, on s'est dit, attends frère. On va aller vérifier au moins pour voir si notre gars n'est pas mort. Mais on dit le corps a fait 14 jours. Et en même temps, nous avons Love Gugu. Celle qui a été en clash le plus profond avec Bob Lee. Celle-là même qui a perdu son fils. Et dont Bob Lee a accusé de l'avoir sacrifié dans le but d'avoir de la visibilité. Aujourd'hui, elle s'est mise en blanc. Pour danser et célébrer la mort de Bob Lee. Allez là. Si Bob Lee allume sa caméra, pas Love Gugu risque de faire un AVC. À l'heure où on parle, si Bob Lee allume sa caméra, pas Love Gugu, elle est capable de faire un AVC. Mais on va voir, on va écouter un peu. Quelqu'un me dit que la Camerounaise Flor de Lis dit que sa femme dit qu'il est hospitalisé. Vous voyez, l'Afrique a commencé son débat. Oh, il est hospitalisé. Oh, il est mort. Oh, il n'est pas mort. Oh, il est seulement suicidé. Si vous ne voulez pas partager la vidéo, Yaka Yaka s'est levé ce matin et nous a donné l'information que Bob Lee est mort. On nous donne l'information que depuis le 11, peut-être même avant, Bob Lee est mort. Or, dans l'une des dernières vidéos de Bob Lee, il a dit, si les Gabonais disent que c'est eux qui sont à la base de sa maladie, que dans une semaine, il soit mort. Avant une semaine, Yaka Yaka nous informe que Bob Lee est mort. On va aller en profondeur.
Les Gabonais, veuillez vous identifier. On reprend la vidéo. J'aimerais que vous puissiez écouter les mots et les propos qui sont dits. Parce que ce sont les propos qui sont dits, parce que c'est très important, les mots. Parce qu'il y a quand on des informations et même le numéro du téléphone de la personne. Écoutons-le. Les propos sont forts, hein. Les amis, les propos sont forts. Je vous demande de partager. Selon la version que nous donne Yaka, tout à l'heure je donnerai la vraie version. Il nous dit que Bob lui serait mort depuis le 11. L'heure est grave. Permettez-moi de ce soir équilibrer les informations et dire ce que je sais. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Les gars, même si tu ne vis pas avec ta femme, mes frères, qu'on apprend que tu es malade ou tu es mort, la première des choses que la mère de tes enfants va faire, c'est de venir à la maison. Vérifie-moi l'information. Si on t'appelle que tu ne décroches pas, Nous allons d'abord entrer dans les hypothèses avant que je ne vienne dans la vérité. Soit M. Bob Lee était le mari le plus maudit de la terre. C'est-à-dire, même sa femme a rejeté son corps. Ses enfants ont rejeté son corps. Bob Lee était l'homme le plus maudit de la terre. Donc, tous ses voisins dans l'immeuble ne lui adressaient même pas la parole. Bob Lee était l'homme le plus maudit de la terre. Il n'avait même pas un ami qui pouvait s'inquiéter pour lui. Mes frères, excusez-moi. Hein. Je m'appelle Camille Makoso. Moi, aujourd'hui, j'ai cassé les papous. C'est là. Attendez. Tu n'es pas un inconnu. Tu es un blogueur, influenceur. Aïe. Connu comme étant l'homme le plus grand clasheur des réseaux sociaux. Le monde entier me reconnaît qui est Bob Lee. Aïe. C'est-à-dire, quand Bob Lee dit demain je fais direct sur toi, tu es obligé de mettre un commentaire pour dire je te demande pardon. Ne voyage pas avec mon âme. On dit ce gars il est mort depuis 14 jours. Ni femme, ni ami, ni parent n'a la capacité de venir vérifier l'information. Il y a deux cas. Le premier cas, soit Bob Lee appelle son téléphone, appelle un de ses amis pour dire appelle Yaka pour lui faire croire que je suis mort, donne l'information pour que ça soit une vérité. Le deuxième cas, c'est que l'individu est mort comme un chien dans sa maison. Pardonnez-moi du mot, mais il faut dire ce qui est à dire avant d'entrer dans le sujet. Parce que quelqu'un qui meurt seul dans sa maison, mais tu es mort, mais il n'y a pas pire mort que cela. Mort loin de la compassion des gens. Mort loin de l'amour de ta famille. Mort loin de l'amour de tes proches. Seul, isolé dans une maison. Malade depuis plusieurs jours. Incapable de se soigner. Et tu rends l'âme. Mes frères, il n'y a pas mort plus pitoyable que ça. Ça veut dire que même le commun des mortels a rejeté ton corps. Je refuse ça sur la vie de quelqu'un. Je prophétise. Tous ceux qui sont en train de suivre cette vidéo, je refuse une telle mort sur votre vie, sur la vie de vos enfants, sur la vie de votre famille. Je refuse une telle mort. Tous ceux qui vont partager cette vidéo, je prophétise sur vos vies que cette mort ne doit pas vous localiser. Dans le monde de la sorcellerie, on appelle ça la mort prématurée. Mais on va aller, s'il vous plaît, point à point. Quand je vois Nella Juris, quand vous écrivez, Bob Lee va vous récupérer un à un. Tu n'as pas pitié toi-même de le niveau de la malédiction de ton pétou. Tu n'as pas pitié de toi. Bob Lee est qui et quoi de son vivant d'abord? À part venir insulter les gens. Les injures de Bob Lee ont changé quoi dans l'économie de la vie de quelqu'un? Bob Lee est d'abord de son vivant. Qui avait peur de lui? De son vivant. Il a fait clash avec tout le monde. Il a changé quoi? Donc c'est vous qui l'encouragez dans ses bêtises. J'espère que si sa mort est avérée, vous allez payer le billet d'avion pour aller à ses funérailles. Vous l'avez encouragé dans des bêtises. Aujourd'hui encore, même malgré qu'on annonce sa mort, vous êtes encore dans la bêtise humaine. À pouvoir l'encourager dans la bêtise. Des femmes qui n'avaient rien fait ont perdu leur enfant. Il a dépouillé le corps, déterré le corps. Vous allez venir, mais il va vous récupérer un à un. Ton Bob Lee, quand on le rencontre en France, il se cache. C'est lui qui demande pardon. Demandez à Yaka. Qui lui a donné les garde-corps pour qu'on le protège ici en France? C'est Camille Makoso, c'est un lâche. Il a la force que sur les réseaux sociaux. C'est à cause de vous que les gens n'ont pas le courage de se recueillir sur la mémoire de Bob Lee. C'est à cause de vous que les gens n'ont pas pitié même de sa mort. Vous avez vu les coachs à Manchiga publier quelque chose? Elles ont fait toutes vues et ignorées.
C'est comme un chien qui est mort, puis tout le monde dépasse. À cause de vous, ses abonnés. Parce que vous avez été les abonnés les plus maudits des réseaux sociaux. Voici le vrai visage de celui qu'on dit il est mort. D'autres disent il n'est pas mort. Mais je prie Dieu, Bob Lee, ma prière aujourd'hui, c'est qu'à 24 heures, tu puisses lancer un direct. Et que 40 000 personnes vont se connecter pour que tu fasses ton même rire. Vous croyez que j'étais mort? Je suis bel et bien vivant. Bob Lee, on va pleurer de joie. Parce que même à ton pire ennemi, tu ne peux pas souhaiter la mort. Dieu n'a jamais souhaité la mort de quelqu'un. Il dit, j'appelle à ce que le païen puisse se convertir. J'arrête juste à ce niveau. C'est un long direct. Et j'ai suivi son direct en intégralité. Vous pouvez juste conclure et confirmer que même Makoso ne sait pas si Bob Lee est mort ou pas. Ce qui vient dire que Makoso a dit que Bob Lee n'est pas mort. Vous avez compris. Lui-même, il est incertain. Et puis, il voulait rappeler encore pour clôturer que quand ça nous trouve sur Facebook, on a le droit et le devoir de dire quelque chose. Donc, ce qui vient mettre les organes, que Franco, c'est pas ton couloir, c'est pas ci, c'est pas ça. Ça m'a retrouvé sur Facebook. Et on parle de la mort. Ce n'est pas la blague. Et la mort d'un influenceur, c'est pas politique. Donc, faites très attention. Ça nous concerne. Donc, nous restons en attente. Même Makoso ne sait pas si Bob Lee est mort. Merci de partager la vidéo. Nous attendons. Si Bob Lee n'est pas mort, il va faire le direct. Mais, moi, je n'ai pas affirmé qu'il est mort. Mais je dis que les gens racontent. Même Makoso dit qu'on raconte qu'il est mort. On attend le direct de Bob Lee. Merci de partager la vidéo, les amis. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.